Shalom, 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 ma famille. Soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse grandement. Si tu es nouveau ou nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous le mettons en ligne. Aux anciennes abonnés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de mon Dieu soit sur vous. Que les miracles vous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout le travail que vous êtes en train de battre. Merci pour tous les partages que vous êtes en train de faire. Vraiment que l'Éternel, mon Dieu, agisse puissamment dans vos vies. Que l'Éternel, mon Dieu, se lève grandement dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais faire cette prière. Une prière spéciale que le Saint-Esprit de Dieu m'a mise à cœur. Une prière spéciale pour la guérison. Oui, la guérison. La guérison doit rentrer dans ton corps. La guérison doit s'installer. Beaucoup de personnes alors ont été guéries au travers de Clauzele Ministries La Foi Triomphante. Nous recevons beaucoup de requêtes de prière et les gens sont en train de voir la main de Dieu dans leur vie. Les gens sont en train de palper la grâce de Dieu dans leur vie. J'ai vu alors des personnes avec une maladie incurable être guéries. Je crois au miracle parce que je sais que nous croyons en un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Dans mon ministère en tant que femme de Dieu, l'Éternel a délivré plusieurs personnes. Et aujourd'hui, maintenant, dans ces instants de prière, je suis en train de sentir une personne doit être guérie. Dieu me donne alors le feu vert de prier pour la vie d'une personne afin que les miracles s'opèrent, afin que la délivrance rentre, afin que alors les données de ta vie puissent être complètement transformées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois savoir une chose, ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu, il a la capacité de le faire. Ne te laisse pas effrayer par rapport à ce qui est devant toi. Ne te laisse pas effrayer par rapport à la maladie. Je sens Dieu me dire alors, Dieu me donne un feu vert. Dieu me mandate aujourd'hui pour venir te dire que tu dois rentrer dans ta délivrance. Je vais te dire que tu dois être prêt parce que maintenant là, comme tu le sais, le Dieu de mon ministère, il agit et il répond puissamment. Quelqu'un parmi vous est malade, l'Éternel va se lever. Parmi dans ta maison, quelqu'un est en train de pleurer, l'Éternel va s'élever. Quelqu'un va recevoir un miracle inattendu, un miracle que tu attends depuis longtemps, une guérison, une délivrance pour laquelle alors que tu ne sais pas comment t'en sortir. Je viens t'encourager à augmenter ta foi. Je viens t'encourager. Je viens dire vraiment à quelqu'un maintenant, oui, c'est à toi que je suis en train de parler. L'incroyable, l'impensable va se passer dans ta vie aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est en train de faire de grandes choses. Il prend en charge ta vie, il prend en charge ta santé, il prend en charge toute ta famille. Aujourd'hui, les miracles doivent s'opérer, la délivrance doit rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a choisi pour te faire du bien, pour te donner ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu te fais alors de télécharger cette vidéo, encore et encore, alors fais-le. Continue de croire. Si tu ne témoignes pas aujourd'hui, certainement tu vas témoigner après. Peut-être tu vas témoigner la deuxième fois, la troisième fois que tu vas télécharger cette vidéo. Ne te fatigue pas et ne te lamente pas. Continue alors jusqu'à ce que tu vas voir ton miracle. Je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions toujours, nous élevons ce Dieu-là. Nous savons combien de fois il est fort, combien de fois il est capable de bénir. Seigneur, Papa, je te bénis et je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu au-dessus de tous les dieux. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, Seigneur, c'est toi. Papa, je bénis ton nom, Yandarabo Shakababa. Seigneur, je veux prier, Papa, c'est toi, Alpha, Oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses éternelles. Tu es le Dieu digne d'être adoré, digne d'être élevé. Tu es le véritable Dieu éternel. Tu es un Dieu digne, Papa, d'être honoré, digne d'être béni, digne éternel, Papa, d'être béni. Tu es, Seigneur Jésus-Christ, notre soutien. Tu es la force éternelle de notre vie éternelle, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous délivre, c'est toi qui nous guéris, c'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi, qui est capable de changer notre eau en vin. Toi, le Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Tu nous aides, éternel, Papa, d'être délivré, d'être guéri, éternel, mon Dieu, mon roi, et de recevoir la gloire et la grâce des miracles. Seigneur, je crois en la guérison. Je crois que tu es capable, éternel, de guérir, éternel, de changer, éternel, de relever, éternel, et de bénir, parce que tu es un grand Dieu. Parce que tu es un grand Dieu éternel. Parce que tu es un bon Dieu éternel. Je sens ta présence éternelle. Je sens ton onction éternelle. Bien-aimé, je sens une forte présence de Dieu. Cette vidéo, Yandarabo Shakababa, va être comme une protection pour toi. Va être comme une couverture pour toi au nom de Jésus. La présence de Dieu est là, bien-aimé. La puissance de Dieu est là en train d'agir pour changer les données, Yandarabo. Dieu est en train de bouffer. L'Esprit de Dieu est en train de mouver. L'Esprit de Dieu est en train de rentrer. L'Esprit de Dieu, Yandarabo Shakababa, est en train de bouger, alors toucher plusieurs personnes. Écoute-moi très bien. Prends ta main, touche là où tu as mal. Touche là où tu as la douleur. Touche là où il n'y a rien. Alors l'Éternel est en train maintenant de commencer à toucher la vie, les ventres de plusieurs femmes pour les emmener dans la guérison. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande que chaque flèche de la sorcellerie dans ton corps, dans ta vie, de sortir maintenant au nom de Jésus. Chaque mauvaise graine que l'Éternel n'a pas plantée dans ton corps, qui est en train de t'emmener malade, qui ne veut pas te laisser libre. Aujourd'hui, je l'ordonne de sortir. Il doit sortir. Il doit sortir. Chaque infirmité plantée par l'ennemi dans ton corps, je l'ordonne de libérer, de prendre feu maintenant dans la vie alors de mon frère, de ma soeur, de mon bien-aimé qui est en train de suivre cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison rentre. L'Éternel est en train d'agir. L'ennemi t'a beaucoup attaqué. Et maintenant alors, l'Éternel est en train d'agir. Le diable, il a fait rentrer les infirmités dans ton corps. Aujourd'hui, je les ordonne de sortir, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif, chaque forme de matériel négatif qui circule dans ton corps, chaque négativité qui circule dans ton sang, aujourd'hui sorte. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque maladie éternelle dans le corps de tes enfants qui ne confessent pas ta Seigneurie, alors qu'ils sont en train de suivre cette vidéo éternelle, je leur donne, Papa, de sortir par le sang de Jésus-Christ. Je viens les injecter le sang de Jésus-Christ. Je leur donne la pilule des pilules que le sang de Jésus. Nettoie, élimine, Éternel, Papa, et rends-les libres de toute maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que le feu du Saint-Esprit de Dieu rentre, Éternel, dans la vie de tes enfants et commence à brûler, Yaya, tout ce qui n'est pas de toi. Là où il y a la maladie, là où il y a la douleur, là où il y a l'infirmité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Éternel, Papa, chaque parasite dans le corps de tes enfants de sortir maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Papa, maintenant que je suis en train de commander, Yandarabo Shakababa, Koriana Manashike Yakababa, Baba. Yandarabo Shakababa. Alors que je suis en train de prier, Éternel, je demande, Éternel, que ton sang rentre dans le sang, Éternel, du bien-aimé qui est en train de me suivre, de cette soeur qui est en train de me suivre, Seigneur, afin d'enlever tout dépôt satanique dans leur corps et qui rentre dans la délivrance, dans la guérison éternelle. Donc, Seigneur, c'est bien-aimé qui est en train de me suivre maintenant, qui est en train d'écouter ma voix maintenant, au nom de Jésus-Christ. Laisse que cette vidéo soit une vidéo éternelle de la guérison, de la délivrance. Chaque personne éternelle, Papa, qui va écouter ma voix, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus dans le corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Papa, je libère l'esprit de la guérison maintenant. Que ça rentre, Éternel, dans le corps de bien-aimé qui est en train de me suivre maintenant, dans le corps, Éternel, Papa, de tous les membres, Seigneur Jésus, de cette chaîne. Seigneur, même ceux qui vont télécharger, au nom de Jésus, tout animal, Papa, utilisé dans le monde des ténèbres pour emmener, Papa, la maladie dans le corps de tes enfants, que ce soit dans leur sommeil, dans leur vie réelle. Au nom de Jésus, Papa, je les commande maintenant de s'en aller. By fire, by force, in the name of Jesus. J'applique le sang de Jésus éternel. J'applique le sang de Jésus dans les membres éternels de ma famille, dans ma maison. Va prier dans ma maison, dans la vie de mon conjoint. J'applique le sang de Jésus et que, Papa, toute chose qui ne confesse pas ta Seigneurie soit dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le sang de Jésus Jésus est en train de couler, Éternel. Laisse que tu apportes la délivrance. Laisse que tu apportes des miracles. Au nom de Jésus, Dieu va emmener la délivrance. Dieu va emmener le changement. Dieu va emmener la guérison. Je vois la guérison est en train de rentrer dans ton corps. Au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de feu, Yaya, touche chaque personne qui va, papa, regarder cette vidéo, qui va entendre ma voix, Éternelle, et que chaque cause de maladie, curable ou incurable, Éternel, mon Dieu, mon roi, soit brûlée par le feu. Je viens ordonner chaque infirmité dans le corps de tes enfants. By fire, by force, Éternel, de libérer, de recevoir le feu. Que les miracles, Seigneur, libère les miracles divins, les miracles créatifs, les miracles extraordinaires de se produire, Éternel, dans le corps de tes enfants, dans le corps de mon frère. Je viens déclarer, Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance sur toute oppression dans ma vie de bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée. Au nom de Jésus, chaque possession éternelle, chaque attaque éternelle dans la santé de tes enfants, que ça prenne feu maintenant. Je viens les démonter maintenant et les demander, Éternel, de s'en aller. Papa, chaque parole qui a été élevée contre leur santé, contre leur vie, Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois le feu, Éternel. Je les déclare libres. Je les déclare libres, Éternel. Libre, Éternel, de voir la grandeur de Dieu, Éternel. Libre de voir ta santé. Libre, Papa, de voir et de palper ton nom au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu changes la vie de tes enfants. Ta vie ne sera plus la même. Je te déclare délivré. Je te déclare béni. Je te déclare alors guéri dans ton corps. Chaque enchantement dans le monde des ténèbres, parlons contre ta santé, contre ta vie, contre tes organes, contre ton estomac, contre ton ventre, contre tes utérus, contre ta vie aujourd'hui, reçois le feu au nom de Jésus. Je commande à chaque démon qui est en train de t'oppresser, de libérer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens lier, ligoter maintenant tout esprit de maladie, de condamnation qui a dépouillé ton argent, qui a fini ton intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ta vie. Maintenant que je parle, il libère ton corps, il libère ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu délivres permanemment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, merci. Merci parce que je sais que chaque maladie curable ou incurable est sortie dans le corps de tes enfants, quel que soit leur nom éternel, que je connaisse ou que je ne le connaisse pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de voir des gens qui sont en train de recevoir la guérison. Je vois des personnes prendre des pilules du sang de Jésus-Christ. Je vois le sang de Jésus flasher la maladie qui a trop longtemps duré dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écris-nous ton témoignage. Dis-nous comment est-ce que l'Éternel t'a touché. Reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois des miracles. Quelle que soit la parole de malédiction, aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, l'enlève dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que cette vidéo puisse te bénir. Laisse que cette vidéo puisse te délivrer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire, la grâce, les miracles, la délivrance rentrent dans ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. N'oubliez pas de liker et de partager et l'Éternel, le Dieu d'Israël, te bénira dans le nom de Jésus-Christ. Bonne guérison dans le nom de Jésus.